Salut à tous, c'est Okonaï, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons en faire en EU West. Alors, est-ce que c'est l'élo des Smurfs? Est-ce que c'est l'élo des joueurs les plus nouveaux qui débutent le jeu? Nous allons voir tout de suite sur League of Legends. Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. Donc je vous préviens, je vais avoir du lag parce que je vis en Amérique du Nord, au Canada. Du coup, vu que je joue dans le serveur Europe, ça met du temps avant de lancer les petites touches dans leur petit serveur. Du coup, on va avoir un petit peu de lag, mais c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir jouer un peu plus tard avec Toucan et Zash qui sont déjà eux plate diamant ou gold, je sais pas quoi. Du coup, va falloir que je spamme le jeu pour les rattraper. Mais en attendant, je vais pouvoir jouer avec des abonnés. Par exemple, là, je suis en fer. S'il y a des abonnés en fer bronze, n'hésitez pas à passer sur le stream. On est en stream actuellement, donc si vous voulez venir jouer avec moi, il n'y a pas de problème, je peux jouer avec vous. Comme ça, ça me fera plaisir de vous découvrir, d'en apprendre plus un petit peu sur les abonnés. Est-ce que je joue à Anodoran ou Potion de Corruption contre un talon? Je vais pas jouer Potion de Corruption parce que s'il me all-in level 2 et que je fais pas attention... C'est vrai que je crois que je l'avais pas dit ça. Et contre un Blitzcrank, tu te mets plus ou moins tout le temps ici, tu fais que bouger en fait. Parce que sinon ils peuvent ward ici, hop, ils te grabent tout de suite. Et voilà, il faut jamais se mettre là, voilà. Hop, là t'as le Blitzcrank. Pourquoi jamais se mettre là contre Blitzcrank? Tout simplement parce qu'il se met là, il peut faire un blind hook ici. Et tu peux te faire déchirer, tout simplement. 103 ms, allez. On est capable de jouer avec de la latence, on est capable. Allez. Il veut faire la technique du level 2 et me all-in, on connaît bien tout ça. Ah ouais? À la fin, on commence à connaître les erreurs des talons. Tu vois, les Twitch qui arrivent level 2, les Xing-Zao qui arrivent level 2, on commence à connaître comment ils jouent en fait. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai dit, si vous jouez tout le temps le même champion, vous allez connaître tous les match-ups, vous allez connaître tout ce que font vos adversaires. Et même si vous jouez moins bien, genre là, le talon, il a mieux joué que moi en fait. Mais c'est juste que je connaissais le match-up, tout simplement. Il savait qu'il pouvait faire un all-in parce que je suis Talia avec le champion le moins d'armure du jeu. J'ai pris un petit peu d'armure. J'ai pris la note d'Oran pour pas me faire all-in justement comme ça. Les potions de corruption m'auraient tué. Alors que là, les deux potions m'ont sauvé. Donc voilà. C'est un fou furieux le talon, mais c'est vrai qu'il peut faire ça. C'est vrai qu'il peut aller sur les murs. Heureusement que j'ai mes deux potions. Elle a beaucoup de farm, je vais essayer de le déranger un peu. Il y a le Amumu qui arrive. Mais il a pas de flash, donc je suis fine. Le Amumu fait un peu peur, j'ai juste une barrière. Ah merde, il a son niveau 6. Normalement, je meurs pas avec mes potions, tout va bien. Non, c'est bien, ça va. Je fais vraiment des grossières erreurs. Et je viens de percevoir que putain, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur en fait. J'essaie de le all-in et c'est lui qui a le champion all-in en fait. Il faut vraiment que je fasse attention. Là, faudrait juste que j'aille farm. Ah, vous savez quoi en fait? Vous savez, ça c'est une erreur que je fais ça. Je vais économiser de la mana moi pour aller gank la botlane. Parce qu'en fait, le talon, je pense que je vais pas pouvoir le tuer. Et c'est beaucoup trop risqué en fait. Là, j'ai dû utiliser barrière et tout, ça casse les couilles. Il y a le talon qui arrive bientôt sous. Merde, je pensais pas que... Oh my god, c'est foiré, j'ai foiré. Ok. Parce que s'il a un ultime, en vrai je suis dans la merde. Alors le mur était nul à chier parce qu'en fait j'ai essayé pendant le mur de warder. Ce n'est pas possible en fait, tu tombes du mur et tu dégages. Est-ce que toi t'es ok ou pas? Écoute, je vais taper un petit peu la tour moi. Bon, il est mort. Nice, heureusement que j'avais le red buff. Putain le red buff, ah non c'est peut-être... Est-ce que c'est red buff plus potion de corruption ou j'avais juste les potions de corruption? En tout cas cool les gars, c'est bien joué. Il me manque rien pour avoir...
C'était pas vous de ma part, ça. Ok, bon, il a fait juste... S'il a un flash, je suis mort. Ok, c'est bon, il a pas de flash. Ah, mais je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je suis stupide. Je n'ai pas le droit de jouer comme ça. Je fais... Je rate tous mes sorts. Et c'est même pas à la faute du lag. En vrai, le lag avec Talia, ça passe. Genre, vraiment, j'ai l'impression que ça passe. C'est plus... Tu vois, par exemple, la Draven, bah, j'ai failli mourir à cause du lag, par contre. Parce que le temps bah, de réaction de sans latence, pour faire le sidestep, pour esquiver le retour du Draven, je pensais que j'allais mourir. Je vais essayer d'aller bot. Ah, mais s'ils vont... Ils mettent tout sur... Ah ouais, toi, tu prends très très cher, quand même. Ah ouais, je fais quand même des dégâts, ça fait plaisir. J'essaie de le rattraper, lui. J'ai les murs. Pas mal, ça. Ok. Donc le mur, je sais pas trop où il est. Je pense qu'un Q le tue avec Poisson de Corruption, non? Ah non. Ah, c'est un sweep. Je pensais pas que l'autre allait flash. Désolé. On va essayer de prendre la tour. J'ai pas les plaques, du coup, c'est pas très grave. Ouais, désolé, Nasus, je pensais pas qu'il allait flash. Mais ouais, là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas assez aidé la botlane là. J'aurais dû plus aider. Bon, le MMU, il a pas de résistance magique, par contre. Donc, c'est sûr que je vais lui faire des dégâts. Le problème, c'est que j'ai pas de W. Jamais, tu dois... En fait, jamais tu prends une ward comme ça, en fait. Tu dois toujours te déplacer. Ah ouais, mais t'as pas le droit. Tu peux pas récupérer tes haches aussi facilement, mec. Moi, je suis le anti-récupération de haches. Je vais aider mon équipe, là. J'aime pas trop jouer seul contre un Blitzcrank, talon et tout. On va jouer en équipe, c'est un jeu d'équipe. Sinon on va le rater. Okay. Ah dommage, j'ai trop mal joué là. J'ai trop mal joué. Ah mais c'est vrai que ça parle français, c'est ouf. Genre, à chaque fois que je vais en EU-West, je vois des gens qui parlent en français, je fais... Putain, mais c'est vrai, je suis pas en NA. Là, j'ai trop mal joué, je me suis fait catch. Et à un moment donné, j'ai limite give up, je voulais mourir, tu vois. Je voulais mourir, je me sens pas bien. Je suis quelqu'un qui int, normalement. Je me sentais pas bien dans cette game. Mais non, ça joue ultra proprement. Hein. Oui, il y a 27. Mais ça joue quand même ultra proprement, je trouve. Après, ça reste du silver gold, je pense. Il y a eu un ancien plat, donc forcément que le niveau est bon. Oui, peut-être le Amumu, bon, il se déplace un petit peu tranquillement sur la carte, on va dire. Mais franchement, c'est ultra propre. J'ai pas pris un Magi, je vais pas faire quand même le gros bâtard. Ok, lui, il a pris de la résistance magique. Parce qu'en fait, à bas et low, le problème, c'est que... normalement, t'es plus ou moins... T'es pas obligé, mais... Souvent, en deuxième objet avec Talia, genre, et la plupart des champions comme Lux et tout, tu prends un Void Staff en second, parce que normalement, les gens, bah, ils prennent de la résistance magique. Ils ont de la résistance magique quelque part, en fait. Là, le fait qu'ils en ont pas trop, il y a juste Amumu, bah... C'est pas... Oh, purée! Encore une fois, je me suis fait... Non, mais il y a pas un team, quand même. Oh, merde. Mais je regardais même pas ma carte! On a pris le blue buff. Et on va aller pouvoir finir la game, là. Il a encore son ulti, mais c'est incroyable! Oh, c'est incroyable. Les gars! Non! Tuez-les-moi tous! Les gars, je pensais pas que Malphite allait encore avoir son ultime. Ah ouais, il a 20% de sidère ici. Shit! C'est quoi le cooldown du Malphite? Moi, pas connaître le jeu ou quoi? Vas-y, Kha'Zix! Bien joué! C'est mort. Ouais. Ils sont pas vraiment les couilles, hein. Mais mec, j'ai jamais vu un mec s'en battre autant les couilles de la... D'accord, très bien.
Ah bah il est full armure hein. Ma fille t'as encore son ultime ou quoi là? Ah oh, ça suffit les conneries là adulte. Ah c'est Yasuo qui a tout de suite. Ok le Yasuo en fait il a tout de suite R du coup le truc il s'est pas pris les dalles. Bon j'ai un petit peu joué avec le feu. Mais je voulais finir la game. Là il y a un moment où je voulais que la game se finisse. J'ai trop envie de bac pour m'acheter des objets de ouf là mais... Ils ont besoin de moi. Malheureusement t'es tout seul mon petit. T'as encore ça toi? Ouais aller au corps à corps contre lui c'est peut-être pas la meilleure idée. Allez GG. Je voulais dire je voulais jouer wellplay. Bah écoutez les gens c'était c'est beaucoup plus dur que je pensais. Parce qu'en fait j'ai cru que c'était de l'iron. Et finalement non c'est soit des smurfs. Soit des gens qui sont déjà silver. Donc en fait le niveau iron va falloir perdre énormément pour pouvoir être contre vraiment des iron. Merci Léona d'avoir joué Léona. J'apprécie énormément ceux qui jouent des champions support utilitaires un petit peu tanky comme ça, on avait vraiment besoin. Quoi, je suis bronze 3 ah. Bon du coup les gens, bah écoute, ça va être du bronze à master. Venez si vous voulez pour du OQ, ça me fera plaisir. Et puis c'est ça. Rendez-vous sur le stream, on stream un petit peu plus tôt aujourd'hui. Have fun et à très bientôt. Ciao, bye.